Bonjour, je voudrais savoir à quoi servent les cookies. Merci. Lorsque vous naviguez sur le web, il n'est pas rare qu'une fenêtre s'affiche vous demandant d'accepter, de refuser ou de sélectionner des cookies. Un cookie, c'est un petit fichier stocké sur un serveur, dans votre ordinateur, votre tablette ou encore votre mobile. Il permet de collecter vos données de navigation sur le web. Il a de multiples usages strictement encadrés par le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Vous avez raison, les cookies ont des usages variés. Certains sont là pour vous rappeler le contenu de votre panier sur un site marchand, quand d'autres sont là uniquement pour faire de la publicité ciblée. Dans ce cas, les cookies permettent de mémoriser vos données dans le but de créer un profil détaillé de vos habitudes de navigation, comme par exemple les produits que vous regardez, les liens sur lesquels vous cliquez et le temps que vous y passez. Dans ce dernier cas, ces informations sont évidemment une ressource précieuse et convoitée, puisqu'elles permettent de mieux vous connaître et donc de vous proposer des services et produits susceptibles de vous intéresser. Mais cela doit se faire avec votre consentement. Tant que vous n'avez pas donné votre consentement, les cookies non indispensables au fonctionnement du site ne peuvent être ni déposés ni lus sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Ce consentement doit vous être redemandé à chaque fois qu'une nouvelle finalité vient s'ajouter aux finalités initialement prévues. Plusieurs options s'offrent donc à vous. Lesquelles ? Pour commencer, le consentement doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée des conséquences de son choix et en lui donnant les moyens d'accepter, de refuser et de retirer son consentement. En pratique, les bandeaux cookies qui s'affichent sur votre écran vous permettent de sélectionner l'activation de certains cookies plutôt que d'autres ou encore de tout refuser. Voilà, vous savez tout ou presque tout. À très bientôt pour un nouveau ConsoMag et pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr.